J'ai trouvé enfin l'extrait que je voulais vous montrer. C'est pas compliqué à trouver, mais il a fallu le temps quand même. Spectaculaire! C'est la terre de toutes les beautés. Et c'est à quoi je pense à chaque fois que je fais du hors-piste dans Far Cry 3. Quelle distance devons-nous parcourir? Ma mission est de vous emmener voir le consul dont la demeure ne doit plus être très loin. De l'autre côté de la jungle, il va falloir qu'on tourne. Il y a ça en plus en fait. Il y a du jeu dans la direction. Et le parallélisme laisse à désirer. Monsieur Ventura. Ah, bizarrement, moi quand je le coule, quand je fais ça. C'est Sventura 2 en Afrique. Il reste encore une dernière petite place. Il est peut-être pas nécessaire que vous mouliez aussi. Vite! Silence, prépare le parachute. J'ai dans silence, prépare le parachute. Ça, c'est des créneaux, vieux. J'adore comme il ouvre la porte, il le met en plein dans l'aile avant de l'autre. BAM! Oh non! La voiture de monsieur le consul général. Genre normal quoi. J'adore. Ah la vache. J'étais en train de faire contourner toute la chaîne. Fuck it! Ah la vache, j'adore ce film, faudra que je me le refasse. Ok. Bon alors pour info, j'ai à peu près clean toute la carte. Hein. C'est-à-dire j'ai tous les avant-postes, j'ai toutes les tours. Voilà. Voilà. Tiens, petit, une petite quête. Je vais déjà faire la tournée assassinat. Donc, voilà. Je sais acheter toutes les cartes. Donc je sais absolument tout, enfin où est tout, absolument tout. Ça s'est fait aussi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait des quêtes d'assassinat et de chasse à la con aussi, je crois. Assassinat c'est sûr, mais chasse je suis pas sûr. De toute façon parce que ça change. C'est pas des trucs primordiaux. Tue le couteau, ouais, comme d'hab. Donc oui, donc j'ai la BZ avec le viseur, avec le viseur. J'ai une mitrailleuse avec plus gros chargeur et mire. Et j'ai mon sniper habituel. Parce que il y a vraiment rien de mieux que sniper. Et donc j'ai mon pseudo M4 avec silencieux. Le truc signature machin. Qui marche très 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 bien. Il est plus précis que ma carabine la MS16, je trouve. C'est pour dire.
Je sais même pas quel est le mec que je dois buter au couteau en fait. J'ai abattu les deux comme des chiens, mais. J'imagine que je vais continuer à monter. Je me demande si est-ce que le mec que je dois buter, je le bute au couteau de lancer. Est-ce que ça compte? Ah bah c'est bon, c'est fait. Ah. Donc toi tu m'as pas vu. Toi, tu es un gros débile. Bon, ça fait 250 XP gratos. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé. Salut, Flash Gamer. Compétences. Ah oui, j'ai quasiment toutes les points de compétences. Bah, il me reste plus que l'arbre du héros. Wow, le truc que je n'arriverai jamais à faire parce qu'il n'y a jamais l'occasion. J'ai déjà dû faire une fois un kill depuis le haut, c'est tout. Kill depuis le bas, j'ai jamais fait, je crois encore. Une grotte, mais apparemment il n'y a pas d'objet au coin. Ça rien de perdre du temps à y aller. Bon, en profiter. Effectivement, la qualité est pas top top du live. Après, je dis pas que j'ai déjà une qualité au top, mais je trouve moins bonne que d'habitude. Pourtant, c'est le matin. Donc, ce soit justement parce que c'est le matin. Et que c'est l'heure des États-Unis, si je puis dire. Salut le chien! Allez tous mourir! C'est bien les chiens! Ça doit être des dingos en fait. Ouais, c'est dingo. Oh, dégueu! Mission, qui c'est la con? Toi tu sers la dalle. Qui te sert? Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme quête à la con? Il y a de la chasse. Et on va chasser. C'est vraiment con que il y a certaines suites de quêtes qui donnent rien. Genre j'ai chopé toutes les cartes mémoire. Donc assez chiant à faire quand même. Ça va tout seul, mais ça met du temps. Et à la fin, t'as rien. Pas un gun ou un truc à la con. Un petit quelque chose, quoi. Non. Félicitations, vous avez trouvé les 20 cartes mémoire. Vous gagnez 50 points. Wouhou. 50 points. C'est juste un succès à la con. Et des marchands tuant 3 léopards avec un fusil sniper fourni à l'emplacement spécifique. Ok. Et en quoi le marchand a besoin que je l'aide à tuer 3 léopards?
Eh oui, t'as raison. Tombe de quatre fois rien et pète-toi la gueule. Wouh! Ah, t'es trop fort. Jason Brody, numéro 1. Oh merde, ça c'était pas. Je crois ça. Ah, les ordures de la normale. Non, il y a pas de zoom. Quatre balles. 5 balles. Les 5 balles sont été dedans, hein. J'ai vu les traces de sang. Costaud il est au part dans la région, hein. Tiens, je suis tombé bientôt. Alors, où est-ce qu'ils sont? Tiens là. Hop, si on veut. Ah, bah je continue à appuyer sur espace. Ok, bah décide de me laisser tranquille. Oh mais lol, j'ai raté. Oh mais... Putain mais... Le nombre de balles qu'il faut leur foutre dedans quoi. Bon, dernier. Ah bah, lol. Là, la balle en pleine tête a fait mouche en une fois, alors que tout à l'heure, non. What the fuck? Un peu de chasse. Cette fois-ci, c'est quoi? Une meute de chiens enragés terrorise les fermiers de la région utilisée. Le lance-flamme fourni sur place pour les tuer. Oui, bah oui. Mais j'y vais tout de suite, bien sûr. Y a pas de souci. Ce soir au menu, y a du chien grillé.
On va rire. Il y a 8 chiens à faire cramer. Et toutou. On a foutu des flammes. Bon bah si peut-être quelque chose à foutre quand même. Attends, je l'ai tué qu'un dans le tas. Starnac. Mais reviens. T'es vu, sac à poil. Et me porte dessus. Oui, il est mignon. Oui, il est cramé. Laisse mon sopote. Ah. Je crois que moi, à chaque fois, le perso se crame comme un grand. Salut Emile. Mais c'est quoi ce lance-flamme de merde? Dans ça t'as un lance-flamme, pas un je tape des flammes ou je sais pas quoi là. La distance de shoot du machin, sans déconner. S'il met un mode pour augmenter la distance de tir des flingues, je le fais tout de suite. Je cherche même pas à comprendre, c'est vraiment n'importe quoi. Ce point que je m'en prends, je me suis amusé à faire tous les avant-postes, tout ça. Je m'étais éclaté à mettre les marqueurs sur les avant-postes pour savoir à quelle distance je suis. Par exemple, pour regarder en bas à droite, enfin en bas à gauche, à droite de la boussole, il y a écrit 41 mètres, c'est la distance à laquelle je suis du point central de mon objectif. Et un coup, j'étais à quoi? À 100 mètres de l'avant-poste, avec mon... comment s'appelle mon MS-16. Donc le fusil d'assaut qui est quand même fait pour tirer de loin, quoi, c'est... c'est plutôt un anti-snipe le machin. Et je tirais. Le flingue tirait pas droit à 100 mètres. La distance minimale de base d'attaque, enfin opérationnelle, enfin maximale plutôt, c'est 100 mètres à 150 mètres quoi. La fusil d'assaut c'est pas 50 mètres, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde au bout d'un moment. Ils ont vraiment fait de la merde au niveau des distances de tir. C'est assez impressionnant. Ah bah enfin j'ai trouvé. Ah bah tiens, c'est intéressant, ça crame pas les plantes spéciales pour faire des remèdes machin truc et tout. Je vais cramer les ordures. Oui. Et je me crame tout seul comme un grand encore une fois. Oui. Thank you.
je m'amuse. J'ai fait un jeu parfait, tu me diras, non? Ouais, mais il y a des limites, quoi. C'est très simple quand même de faire un flingue qui tire bien. De manière à peu près sensée, quoi. C'est qu'une mitraillette, j'arrive pas à faire un shoot à 120 à 100 mètres. Bon, ok. Je veux bien, c'est pas fait pour ça, ce canon est vraiment pas adapté, il est pas assez long. Même si en théorie, en bourrinant, ça doit être c'est possible, quoi. Il y a un minimum, au bout d'un moment, il y a un minimum de chances que ça finisse par arriver. Mais là, quand même... Ouais, c'est le 3 en plus. C'est pas le premier. Le premier, c'était plutôt... C'était pas mal un couloir, donc... T'as pas forcément l'occasion de t'en rendre compte. Le 2, bah... Final, comme t'avais que 3 flingues. Moi, ce que je faisais, c'est que j'avais le lance-grenade, j'avais un sniper au pif, suivant ce que je voulais, si je voulais l'hypodermique ou pas. Puis après, je prenais soit la mitrailleuse, soit le... Un fusil d'assaut à la con. Et au final, il y avait tellement de fougères et compagnie que si tu devais tirer de loin, tu prenais un snipe. Si tu devais faire du tir normal, bah, tu prenais le fusil d'assaut. Quoi. C'est là avec la machette fournie à l'endroit indiqué. Quoi? Faut que je bute un ours à la machette. Ce qui est con, c'est qu'on puisse pas faire des éliminations furtives, machin truc et tout avec le génie. Sinon, son problème d'ours, il est vite réglé. Hein. Salut Genesis. Et pareil, il y a un lance-flamme, mais t'as les flammes qui vont à 5 mètres. Je suis pas un expert en lance-flamme, mais pour moi, lance-flamme avec un minimum d'effectivité, il envoie ses flammes en moins de 10 mètres, quoi. Un minimum, quoi. Même FPS Russia qui a dû bricoler son machin, il arrive à les envoyer pas assez loin, quoi. Pas se foutre de la gueule du monde, évidemment. Je vois l'ours. Je le vois. Je crois bien qu'il m'a repéré. J'ai un sac à caillou dessus. C'était pas très efficace. Je relance un caillou dessus. C'était toujours pas très efficace. Attends, il faut que je bute les deux nounours. Un coup de caillou. Ok, je suis. Bon, je pense qu'il va être temps de penser à utiliser les trucs de chasse. Mais je me suis fait un chasseur mortel. Concentrez votre force au combat pour infliger plus de dégâts aux animaux. Ok, ça me va. Pour une feuille ambrée et une feuille rouge. Une jaune et une rouge. Gardise-moi un feu rouge.
Marque-moi une ours. Vas-y, lance des petits cailloux. Oh merde. Ah non, c'est pour ça. Vas-y, je sors mortel. J'ai eu. Ça va là. Salut Max. Caillou Power. Tu as le wingsuit sur toi? Comment tu as fait pour l'avoir ou l'acheter? C'est avec la c'est en mission. C'est quand tu dois atteindre la deuxième île, t'en files un. Puis ouais, dans le wingsuit, il se met en fait tu l'as toujours sur toi, quelle que soit ta tenue. Et là en fait ce que j'ai c'est la oui c'est la tenue des mercenaires. Allez, poisson grillé. Tiens, je recrame leur cabane de nounours. Poissons pas cramés. Bah, quand même vachement vite. Hein. Pyro Jack. Elle a pour le coup, me fait plaisir. J'aimerais bien tester un point slam juste pour voir. Ça doit être marrant. Ensuite. Oh mais il y a plein de quêtes là-bas. Oh, on commence à être pas mal. Peut-être continuer la quête principale bientôt. Ou peut-être non, je vais peut-être faire celle-là avec le truc de singe là. Même la flamme d'une bougie est plus grande que la portée de ton flamme, j'avoue. Je sais pas si vous êtes rendu compte, mais j'ai arrosé les arbres au large et il y en a pas mal qui avaient pas cramé. Merde, ce serait quand même une chasse que je vais faire. Je vais encore changer de gun. Oh, rare! Les machines fournies ont indiqué tuer un crocodile albinos rare pour un taxidermiste. Cramage de cabane! Wouh! Merde, il y a un conteneur! C'est bon, je sauvais. Il me faut ma chambre, il vient juste derrière donc j'en profite. Parce que là je sais pas pour dire mais je vais quand même essayer de me faire un crocodile à la machette hein. Je sais pas si vous vous rappelez qu'est-ce que s'est passé la dernière fois que j'ai croisé un crocodile et que je me suis fait choper. Hein. Mon caleçon s'en souvient. Hein.
ce dérapage. Ça, c'est du créneau. Ok. Il faut que je trouve un putain de crocodile bilops. C'est super. Infection, chasse, chasseur mortel. Je crois que c'est lui. Te voilà, ma beauté. C'est vrai que c'est qu'est-ce que je peux me battre sous l'eau avec. Ouais. Allez, viens, approche. Je sais que tu m'as vu. Me prends pas pour un débile. Oula, non, ça doit pas être le bio, ça. Caillou! Caillou! Allez, quoi. Il se fout de ma gueule, en plus, hein. Moi, que ce soit un gros poisson, ça. C'est, ça a plutôt l'air d'être des nageurs, le truc, voilà. Ah, c'est Zipapate, d'accord. Bon, bref, ça a pas l'air d'être... d'être mon client, ça. Oh, ça par contre, ça a l'air de plus mon client. Oh oui. Oh oui, ça c'est blanc, ça coque une crocodile. Petit petit. Regarde, j'ai fait plouf plouf dans l'eau. Mais comment veux-tu que j'aille buter ce machin? Bon, fuck it. Hop. Full life. Oups. Contrôle, 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 j'appuie sur contrôle, j'appuie sur contrôle, j'appuie sur contrôle. Pétez. Yes. On continue le bonus. Dépêche-le. Dépêchez-vous, il y a bien ce matin, cœur de crocodile rare. Ce qui sert d'ailleurs strictement à rien, à part pour la revente, hein. Étant donné que j'ai tout le matos de Rambo de la mort. Hey, j'ai même pas perdu de point de vie. Je suis trop fort. Arrête de le lapider. Ouais, je pourrais me faire un sac à main avec, effectivement. Y'en a qui disent qu'ils tuent des crocodiles avec les dents. Moi, bizarrement, j'y crois pas 30 secondes. À part peut-être quand ils sont dans le neuf. Mais dans ce cas, c'est pute. Alors, la chasse, y'en a là. Encore, c'est ici. Tiens, j'ai pissé 30 secondes, je vais vous remettre un coup de l'extrait des Ace Ventura. Spectaculaire! C'est la terre de toutes les beautés. Quelle distance devons-nous parcourir? Ma mission est de vous emmener voir le consul dont la demeure ne doit plus être très loin. De l'autre côté de la jungle, il va falloir contourner...
Il y a du jeu dans la direction. Et le parallélisme laisse à désirer. Monsieur Ventura. Ma belle, je t'adore. C'est ma belle bagnole, c'est ma belle bagnole et je l'adore. Je viens du monde et roule sans effort. Top, et top et broum encore. Ma bagnole, oh ma bagnole, top, broum. C'est ma bagnole. Soit loué. Il reste encore une dernière petite place. Il n'est peut-être pas nécessaire que vous rouliez aussi vite. Silence, prépare le parachute. Utilisez vos freins. Non, sans être. Attention. Ça, c'est des créneaux, vieux. Je crois qu'un petit lavage s'impose. Oh non. La voiture de monsieur le consul général. Ouais, apparemment ça a juste de se finir. Ça raconte. Ah merde, je sens qu'il est décalé. Oh non. Pourquoi? Bon, tant pis. Je pense que vous avez bien compris l'idée. C'est ça que j'ai en tête à chaque fois que je fais du hors-piste dans Far Cry 3. Je ne peux pas résister. C'est automatiquement ça. Pop. Le mec qui fait. Alors, faut contourner toute la jungle en suivant la route. Rien à foutre. Contourne la jungle. Et ouais, c'est Ace Ventura en Afrique. Avec Chicaca. Bon. Allez, on va continuer à chasser. Trois ours bloquent une route importante. Tu es allé avec le pistolet. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'ils vont encore me fournir comme flingue de merde. Wally. Voilà. Le mec n'a même pas fait ouille ou quoi que ce soit, j'ai perdu 2 barres. Et j'ai les moins 25% de vie, enfin de moins 25% de dégâts de chute qui sont dans mes compétences quoi. C'est n'importe quoi. Première chose qu'il faut qu'il patch. Mais genre le plus urgentement possible, si j'ai envie de dire, c'est vraiment les dégâts de chute et la distance de shoot. Oh putain, avec le flingue de base quoi. Ce machin il fait aucun dégât. Y'a où la pièce ? Et au fait, j'utiliserai plus le Desert Eagle parce que c'est vraiment de la merde. Hein. Il faut 2 balles pour buter un mec. C'est un Desert Eagle, sans déconner. Cherchez l'erreur. Par contre, j'ai une seringue qui permet de faire du one-shot. Enfin, une confection qui permet de faire du one-shot. Mais... je sais pas si ça marche aux animaux. Oh putain le con! Dégage un ours! Aïe! Con! Sans déconner, faut que je te mette combien de balles dans la tête?
pour me donner un pistolet à eau. Mais limite, ça va être ça, quoi. 5 chargeurs. Non, 3. 3 et une balle. Peut-être que j'en ai paumé une. Con ! Fais pas le con ! C'est bon, ça aime pas l'eau. Il m'a lâché. Ah bah... Putain, mais ils sont costauds ces machins. Ah, c'est équilibre 45 quoi, faites pas les cons. Ça lag, ça veut dire ça lag. Parce qu'un lag sur un live, c'est compliqué de vous... ça veut rien dire en fait. Vous pouvez dire qu'il y a des coupures, vous pouvez dire qu'il y a... je sais pas moi... un temps entre ce que je dis et puis ce qui se passe à l'écran, comme ça en théorie c'est pas possible que ça arrive vraiment. Mais dire qu'il y a du lag, ça correspond à pas grand chose dans ce genre de cas. L'image se fiche des fois. Mais c'est pas en permanence, c'est juste de temps en temps. Ou bien. Requin ! Bon, vu le temps qu'il m'a fallu pour buter un ours, je vais pas m'éclater à buter un requin. Ça va. Mais c'est encore Twitch qui fout sa merde quoi. Parce que là à 10h du mat, ça m'étonnerait que j'ai les frangines qui aient le PC en route et qu'ils sont en train de télécharger ou quoi que ce soit. Je sais pas pourquoi mais bizarrement j'y crois pas 30 secondes. Et si c'est Twitch qui fait sa merde, bah je peux rien y faire. Faut vous assurer Twitch. C'est intolérable, vous empêchez monsieur Tarsonnet de faire des bons lives. Des dragons de Komodo ont dévoré le chat d'un archer à la retraite utilisé l'arc fourni à l'emplacement spécifié pour le manger. The fuck? Bon, enfin moi ça me va, quand il s'agit de sauver un minou, enfin de venger même un minou. Je suis prêt à tout. Qui se ramène les dragons de Komodo? Est-ce que je peux utiliser les flèches explosives? Ça compte ou pas? Ils n'ont pas précisé les flèches. J'ai entendu un déjà. On va apparemment le fermer aussi, il est passé là. Oh putain, le con! Merde! Putain, mais... Enculé!
Mais LOL! Allez, ouais! J'ai encore envie. Attention, il est pendu à tes fesses, n'importe quoi. Je me sers de feuilles. Pas besoin de feuilles, là, il vient directement sur moi. On faisait une séance de chasse sur aucun. N'importe quoi. J'ai entendu le dernier. Ah oh, mais le con. En fou, je suis plus rapide. Tiens, dans ton cul. Marque les distances de tir, ça marche aussi avec l'arc aussi. Parce que c'est je sais pas quelle distance de tir ça peut avoir un arc, parce que je n'ai vraiment aucune idée. Mais une flèche tombe pas directement par terre comme ça à 50 mètres quoi, faut arrêter. Sauf que c'est un arc de chasse quoi. C'est pas un arc qui est fait avec un bâton et une bout de ficelle quoi. J'ai eu. C'est un requin, ça ? Ah ouais. Ouais, on va pas dire requin sur le moment. Voix du guerrier, j'ai tout fait apparemment. Parce que j'en ai encore. Bizarre ça. Les voix du chasseur, il m'en reste combien? C'est pas fiché? Bah alors. Ah, recherche est mort. Non, c'est ça, oui, recherche est mort. C'était Voix du Guerrier, les petites missions de chasse. Un truc de guerrier, ça c'est un truc de chasseur. Ils sont cons dans leur tête. Les arcs 60 pouces vont jusqu'à 300 mètres, voire plus pour certains. Mais ce sont forcément des arcs américains. Mon père les achète là-bas. Normalement, ça va dans les 30 à 40 mètres, sans trop baisser. Après, ça dépend de l'arc. Un arc à poulie va jusqu'à 50 à 200 mètres. Max. Voilà, là, c'est juste un arc recourbé, apparemment, ce qu'il raconte dans le machin. Et on voit que c'est pas le machin qui est fait avec un bout de bois quoi. C'est quand même aller un peu plus loin, genre de conneries, je pense. Après, c'est à vous de me donner votre avis à ce niveau-là. Deux miliciens se sont installés dans une grange en haut d'une colline, tuez-les au couteau, tel un véritable guerrier à pièces. Bon, il y a une bagnole, on va pas se faire chier, hein. Thank you.
Ça dépend de sa courbe, de sa matière et de sa corde. Type Far Cry 3, ça existe? Allez, là, il y a des mecs là dans le fond, tu peux pas les voir. Voilà. Bon. Déjà, c'est quand même mes cibles. On peut s'en débarrasser. LOL! Il va crever, lui! Mais putain! Ah, je crois que l'autre l'a vu. Voilà. Oups. Il y a un pote qui arrive apparemment. Oh merde. Merde, c'est le mec que je veux tuer. Oh mais non, mais non, mais lol, mais lol, mais lol, mais qu'est-ce qui vous arrive, bande de cons? C'est quoi tous ces mecs au lance-flammes qui sortent de nulle part, quoi? M'en fous, je me les fais aux flèches! Il a eu? Ah non. Je crois que j'en suis déjà fait un, la flèche. Pas une tête. Avec qui me poursuivent. La marche des pachydermes. Pom 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 pom. Lol. La souris qui a pas tourné justement au soleil. Ah, ils reculent, ils ont peur. Hein. Il reste leur chef au fond. Hein. Bon, apparemment, si c'est un Hunterpod qui les tue, ça compte quand même pour un kill pour moi. Par contre, pourquoi est-ce qu'ils ont tous des moustaches à la Hulk Hogan, là, les méchants? C'est une unité Bob Lennon. Ce couteau pas l'arc. Si, tu peux les avoir à l'arc de chasse. Je l'ai fait. Pareil pour les méga blindés, mais faut leur mettre en pleine tête. C'est Monsieur Joker. Qui bon choix un flingue, n'importe. Bah tiens, je manque beaucoup de soins. On va prendre quelques herbes vertes, là, vu qu'il y en a.
Toto. C'est quoi ça? C'est du jaune. J'aime les défis. Allez. Mais et oh, mais c'est quoi ce bordel? Putain de mur invisible. Y'a pas beaucoup de lefto ou de couches tard. Parce que je vois. Si ça va, 8 c'est la moyenne. Tu as retourné à l'asile, Cine Batman. Pff. À l'époque, je suis vachement éloigné de mon point de base, donc. Ah, quoi que non. Bon. Bah non, on va plutôt faire des... On va faire la quête avec le singe, là. Le timbré avec ses diamants. Putain, j'ai soif. J'ai plus rien à boire. Plus de flotte. C'est la misère. Qu'est-ce que je vais prendre? Tiens, je vais prendre le spawn. Et hop, hop, hop. Buck a été fuck. Il n'y avait aucune panadier là. Il s'appelait Kiss, je pense. En même temps, un canon pareil. C'était parfaitement maîtrisé. Bon. Jason, c'est Hark, mon pote, tu te souviens de moi? Ça oui, je me souviens. Quoi de neuf? Il y a trois types qui sont passés du côté obscur. Ils ont trahi les Rakiats. Luke est au courant? Quoi? Non, mec. Trois guerriers de Citra ont changé de camp pour rejoindre celui de Hoyt. Les rebelles sont dans la merde. Ils doivent liquider les traîtres avant qu'ils crachent tout ce qu'ils savent, tu vois? Ils sont où? Ils sont sur un chantier naval. Je t'envoie les détails. Au fait, Denise veut des photos de leur corps. Ok. C'est où? Là-bas. Ça, j'ai plein de feuilles vertes. Ah bah ça fait putain, c'est sûr. Ah, c'est pas trop mal. Il a déjà fait cette mission. Il a fait pour ça, il y a la pédophile. Je suis pas sûr que c'était vraiment la pédophile dans ce cas-là, mais c'était un enculé. J'ai raison de Jason quand il disait Buck ça rime avec Buck. Effectivement. Ben Fanta a l'air pas super content de la fin lui. Et si. Et vu ce que j'en ai vu, et vu la mort de Vass, je refuse de croire qu'ils l'ont vraiment fait crever comme ça, quoi, c'est pas possible. Pendant un vieux délire hallucinogène, on capte rien du tout à ce qui s'est passé. Ils font ouais t'as tué Vass. Ouais j'ai fait comment exactement? Merde y'a des requins. Ah y'en a pas mal. Gardez les transfus, nous surveillons.
m'interroge. Oh les cons, ils ont un sniper. Hey, ça pique. Et lol, ça pète pas ce machin? Il y a un bidon rouge géant juste à côté des mecs et ça explose pas. Dans quel jeu vidéo ça marche pas? Ah bah voilà! C'est bien ce que je dis sur la distance de tir quoi, c'est ridicule. Il a volé. Je te vois. C'est juste pour le lol que j'ai pété le bidon quoi. Je pense que la crise est passée. Salut Hante. Oui, c'est ce que j'ai pensé aussi. On voit pas son corps et limite il se laisse mourir. C'est trop louche. Ouais, mais c'est exactement ça. C'est juste trop nul. Je veux dire, Buck a été plus compliqué à tuer que Vas, quoi. Je sais pas, moi, pour moi, je voyais bien une espèce de course-poursuite épique. T'as Vas qui finit par se péter la gueule, après un crash d'hélicoptère ou de bagnole ou de bateau, j'en sais rien, tout ce que tu veux, et puis t'arrives et tu lui plantes ta dague dans le cul. Un truc épique quoi, un truc classe. Pas un vieux délire de drogué. Ça ressemble à rien ça. Ah, c'est vrai qu'il faut que je le prenne en photo. Surtout tu captes rien à ce qui se passe quoi, encore tu vois tu comprendrais qu'en fait t'es dans tel bâtiment, il se passe des choses bizarres, tu vois, c'est... genre tous les murs ça se coup se retrouvent repas en rose fluo quoi, pourquoi pas. Genre tu restes à peu près ancré dans la réalité, il se passe des choses bizarres, mais t'es ancré dans la réalité, t'as quelque chose pour t'y accrocher. Que là tu marchais sur des écrans cathodiques sans la boîte en fond, quoi, c'est de base. Ça ressemble à rien quoi. Tu lis pour photographier le mec. Alors. Ce bruit t'a chié par contre. Hein. On est bien d'accord. Tu parles de Buck? Parce que si tu parles de l'autre, merci du spoil quoi. J'ai pas de spoil, mais la plupart du temps avec les boss, ce jeune est défoncé. Ah bah ça j'avais à peu près compris. Hein. C'est comme quand on affronte l'espèce de géant Makikitaka, je sais pas trop quoi là. Le géant Kiki tout dur. Que genre t'es censé lui couper la tête mais tu lui fous ta dague dans l'œil. Super, ça va leur faire plaisir. Ils vont m'accepter maintenant, c'est sûr. Comment ça t'accepter? Pas le temps, faut que j'y aille. J'ai rendez-vous avec eux. À plus dans le bus. À plus dans le bus. Ah y'a un serpent. Une feuille verte, ouais. Qui est joueur PC? Pas moi. Je
Ça continue là-bas. Bah tiens, je vais faire ça. Ça a l'air c'est complètement naze, ces missions, mais bon. Ah non, mais ça en fait quoi? C'est un virus que Citrap a fait voir pour voir si tu as résisté à celui-ci. Et voilà, donc c'est comme si c'était un demi-boss vu qu'il est dans ta tête. Ouais, non mais voilà. C'était pas c'est un virus, c'est censé être un poison plutôt. Mais enfin. Voilà, c'est comme ça qu'on chasse l'ours. Un coup de suffateuse. Oh, dégueu. Mais comment je suis pour monter là-haut? Comme ça. Ah, ton... Oh. Quelqu'un m'explique comment j'ai pu décéder, s'il vous plaît. Je me lève pour que quoi? On a Zombovitch qui a abusé de la vodka, je crois, les gens. D'ailleurs, la description de verre qui rigole. Oui, c'est pas possible. La surveillance rapprochée révèle que Herc est un capitaine de navire. Un entretien direct a révélé que, bien qu'il soit un expatrié américain, il est incapable de nommer les deux derniers présidents et qu'il ne connaît pas les paroles de l'homme. Analyse, il s'agit d'un adolescent. Avec pas grand chose dans le crâne et qui vit sur l'île dans le but de rejoindre les indigènes. Ah, et de vivre avec des singes, d'accord. Okay. C'était passionnant, merci. Je sais pas ce qu'on aurait fait sans ces infos. Pas un moyen de monter plus vite là-haut. Ici par la gauche. Le PC que j'ai, Manu. Attendez, j'ai du bon truc. J'ai pas que ça. Avec le PC que j'ai, Minecraft. En même temps, j'ai un PC. Je crois que j'ai abordé mon dos. Ok. C'est lui qui le reçoit. Ça parle de choses bizarres. Lettre.
j'en ai entre rien à foutre et rien à péter. Du coup, j'aime bien, fait pas faire un live. Merci, Jack. Ce serait levé plus tôt, il y aurait eu un live encore plus tôt. Ça fait depuis 7 heures que je suis debout. 7 heures l'heure, hein, pas ça fait 7 heures que je suis réveillé. Pas déconner. Putain, mais c'est où cette crotte de merde? Merde. Ok, j'espère que c'est un peu différent de l'autre mission, parce que l'autre mission c'était pas génial quand même. Mordez bien. Ce symbole me dit quelque chose. LOL. Ça, ça s'inscrit les mecs. Ah, salut les copines. Des barreaux par balles, wouh! Trop bien! Oups! Et voilà. Piquette. Le mec il m'appelle Piquette, sans déconner. Je les défonce par paquet 12, ils osent m'appeler Piquette. Du labo. Qu'est-ce qu'il faut que je cherche les coffres? Ils sont dans chaque zone blanche. En blanche jaune. J'imagine. Une autre partie du code. Ok, pour assembler un code. C'est quoi cette quête? C'est qui? C'est un taré. J'ai fait un petit dernier tout de suite. Je sais pas, il y a un gros bras, hein, avec des bras de chambre. J'arrive pas à suivre le sens du chat. Effectivement, les voix sont pas bien fortes là, ce qui se passe. Je peux pas les régler indépendamment. Pourtant, le son est à fond. Bon, je vais voir pour augmenter un peu le son du PC peut-être. Parce que là, je sais pas, les voix sont pas bien fortes. C'est vraiment deux. Les deux se valent. Ils ont rien à voir ensemble. C'est juste des FPS, c'est le seul point commun qu'ils ont. Tu peux me montrer ton tatouage pour voir. Ah, c'est bien simple, il me manque trois trucs alors. Voilà quoi.
contre, je vous informe que je vois pas grand chose. Il y a pas beaucoup de nuances de couleurs différentes. Si vous voyez rien, c'est normal, moi non plus. Ah. C'est tout pour cette zone. Sois sympa, débarre. L'ascenseur devrait marcher. Bon, je ne me passe pas électrocuté. Là, c'est une machine à remonter le temps, en fait. Ok, ça a l'air génial, ça. T'es pas sous l'eau, mais c'est intéressant. Non, pendant deux, j'ai toujours bien aimé. Je suis en train de me le refaire et il n'y a pas de problème. Donc... Jack, t'as pris Monkey Business sur Far 3. Mais j'ai pris la version Deluxe, donc j'ai tout. Tout simplement. Mais lol. Encore symbole là. Je sais que je t'ai eu. Mec, tu m'as eu. Non mais... C'est pas vrai, t'as juste un gros trou dans le bide. On va pouvoir aussi jusqu'au bout. Bah pas grave, y'a des rediffs. Et fouille. Ok, c'est pas électrifié de partout quoi, déjà le truc. Il se passe pas là exactement. D'accord, il y a une porte qui s'est ouverte. Ah mais on est revenu dans la salle d'avant en fait. Enfoiré. J'ai vu la science, mon enfant. Pourquoi cette réplique? Check le restaurant. Puis ça c'est vraiment chiant de devoir toujours maintenir la touche pour faire la moindre action à la con. La machine c'est la news. Ah mais ça m'étonnerait pas du tout, tu sais. Bah tu as acheté Black Ops 2? Non. Enfin, peut-être beaucoup plus tard, je sais pas. Parce que certes il a l'air mieux que les dernières saloperies du Modern Warfare 3, mais
Ah, vraiment, la France, c'était Black Ops, il était pas trop mal. Mais pas envie d'acheter un Call of Duty 3.1 version 2.6 ou je sais pas quoi. Il y a suffisamment de trucs à acheter comme ça. Oh Scott a fait une belle arnaque. Il fallait rester sur l'oratoire. Moi, l'oratoire, il n'y a que la première map que je trouvais viable. Les autres, j'aimais pas du tout. Trop casse-tête. Avec le système des potions, des trucs, des machins, là, je sais pas quoi. Ça va rester simple un minimum dans un jeu, quoi. Complexifier le machin, c'est pas une bonne idée. Bah, au bout d'un moment, t'es quand même un peu obligé, sinon tu finis toujours avec les mêmes trucs. Mais j'adore les feux d'artifice. D'accord, il y a un cadavre qui me gêne. Oh, je suis allé en fait. Ah. La vache. Merde, trouvez celui qui a fait ça. J'adore tirer les mecs à travers la surface. Non, on se flingue à la con. Pas besoin de ça. Ouais, mais y'a pas de moment en plus là. Non, mais pourquoi vous êtes donné le mot ou quoi pour tout choisir des couleurs pastel là? J'ai arrêté d'essayer de comprendre le chat des fois. C'est juste un coup à choper une grippe du cerveau. La grippe cérébrale. Je sais pas là-dedans, au-dessus. C'est le dernier. Allez, je fous le camp. Être du laboratoire perdu. Massage sirop. Je doute qu'il faille avoir recours à ces soi-disant scientifiques. Ils parlent de morceaux d'Éden. Effectivement, ça a rapport avec ça s'inscrit. Des expériences électriques d'Edison et de mémoire génétique. Je ne leur fais pas confiance.
et j'ai verrouillé l'accès du laboratoire secret. Si vous souhaitez accéder ou quitter la salle sécurisée, utilisez le code 122 112. Je vous conseille d'être prudent quand ces diables étrangers sont dans les environs à Yato. Y a personne. En fait, ils ont, je crois qu'ils ont à peu près rien à foutre du live, les mecs. Ils sont en train de parler de je sais pas quoi, je remets la couleur virus, je suis déjà sûr, qui m'explique. Ils ont complètement craqué. Mais nous, on le sait quand même. Bah, ça, je le sais, tout le monde est obligé de m'aimer, attends. Moi-même, je m'aime, t'imagines ? Je m'auto-aime. Je mets moi-même des pouces verts sur ma vidéo. Oups. Bon, j'imagine qu'il faut que je monte. Ah d'accord, il y a des briques qui ont volé apparemment. Ouais. C'est égocentrique. Non. Mais lol. Ça pour ça. Nascope. Mais qui se trouve qu'on aura su, tout le monde fait attention au live d'un coup. T'as vu? Et bizarrement, dès que Diablo X9 utilise son pognon pour faire une vidéo 700 000 vues, 700 000 abonnés, pour se payer un truc d'avion, je sais pas quoi, il y a tout le monde qui est là genre waouh, trop bien, t'as trop de la chance. Il fait ce qu'il veut de son pognon, mais je trouve ça un peu dégueulasse, quoi. Tu vois, c'est comme si je sais pas, je trouve que ça fait comme si tu donnes des thunes à un SDF et après il va se balader, il est après avec ses thunes, il va s'acheter un costard, tu vois. Il va se balader comme ça dans la rue, genre t'as vu. Tu m'as grâce à toi, je me suis acheté un costard. Oh là là. Y'a quoi qui trouve qu'il y a un peu un problème? J'ai bouffé toute ta famille, t'as arraché les couilles, t'as les faire bouffer. T'arrache la tête et chier dans le cou. Signé Yuski. Ouf, on parle de moi. Que va-t-il se passer? Oh, ça monte. Il y a des gens qui font des vidéos lucratives chez Matest. Ouais. Des vidéos lucratives, t'entends quoi par là? Tu veux dire monétiser? Des vidéos pour l'argent? Bah pour l'argent, non. Déjà pour l'instant, niveau chaîne partenaire,
Déjà, on n'est pas forcément beaucoup chez YouTube, quoique le chiffre a bien remonté. Il n'y a que moi qui n'ai pas avec Super Tonnerre et la chaîne Amateur.com pour l'instant. Il y a Romano qui est censé le devenir depuis je sais pas combien de temps, mais TGN fout de la merde. Et quoi qu'il arrive, je fais confiance au mec, jamais ça lui arrivera de faire des vidéos que pour le pognon. De toute façon, pour moi, si quelqu'un commence à faire des vidéos que pour le pognon, ça va se ressentir au niveau de son travail. Et si les gens sont pas un minimum trop débiles, ils devraient s'en rendre compte et puis arrêter de les regarder tout simplement. Même s'il y en a plein qui doivent le faire et puis ça passe quand même. Mais j'essaie d'avoir confiance quand même un minimum dans le public. Essayez de croire que vous n'êtes pas tous des débiles à tarder à la Secret Story. Même si j'ai un peu de mal des fois. Tu peux enlever Jack, s'il te plaît. Il me fait peur. Non. C'est la torture de Yosuke. Et au niveau dessus, je remets le keyboard 4 hier. Jusqu'à ce que vous en craviez. Parce que pour ceux qui ont raté ça, il y avait 6-5 personnes sur le qui étaient connectées sur la vidéo. Il n'y avait personne qui parlait. J'en ai eu marre. J'avais le keyboard 4 dans la tête. Et ben j'ai mis le keyboard 4 jusqu'à ce qu'il y en ait un qui réagisse. Et ben ça a marché. J'hésiterai pas à réutiliser cette méthode de torture s'il le faut. J'imagine bien les camps les camps de torture où t'as les mecs qui te font passer le keyboard 4 à fond à la caisse pendant des heures. Tu sais que tu feras de la coop avec Etarion. C'est Etarion. Et oui, normalement avec Etarion on avait parlé d'en faire. Et Romano a pas l'intention de l'acheter tout de suite. Mais il a l'air très intéressé par Far Cry 3. Ouais. En même temps, Romano, il y a tellement déjà de trucs à faire. Il a commencé tellement de jeux, cet abruti. Vas-y, mais qui porte carte, moi j'étais endormi hier. Et les plus personnes n'écrit n'importe quoi. Bon, je suis sec, n'importe quoi. Mais Romano, rien que déjà à sa place, j'arrêterai directement les vidéos de Nazuma, même s'il adore faire ça, parce que moi personnellement, je supporterais pas de se taper la communauté qui se tape. Quoi. Avec ses vidéos. Les mecs sont certes sont jeunes, mais ils sont des fois, mais vraiment, mais complètement attardés. Après, s'il y en a qui sont visés, bravo, vous êtes reconnus. Mais vraiment, des fois, ça m'énerve. Des trucs, mais qui pourtant c'est rien du tout, quoi. Alors lui, je sais pas comment est-ce qu'il fait pour réussir à autant garder son calme. Putain, mais tout le pognon qu'il y a, quoi. C'est hallucinant. Jack le vol c'est mal. Mais ils sont tous morts. Il n'y a pas une communauté pour Romano. Genre Jack t'as les meilleurs abos de tous les Globes. Globes. Et tout le Globes. C'est quoi ça? Traduction de Globes, s'il te plaît. Globes. Globes. Ah, la Terre. Oh, j'en sais rien si j'ai la meilleure ou pas, mais en tout cas, j'ai pas des attardés d'Inazuma.
Enfin, presque. Je crois qu'il y en a un ou deux qui viennent de chez Romano quand même. Mais ils se font pas trop remarquer, donc ça va. C'est des mouettes que j'entends. Et tout le pognon quoi, mais en plus c'est des dollars, tu sais, normalement c'était censé être un bunker jap. Il y a des dollars partout. Tout va bien quoi. Et j'entends un chien. Allez. Mais je suis dessus. Et ça pareil, le pognon, tu pourrais juste t'approcher puis les ramasser directement, automatiquement. Pourquoi est-ce que tu dois maintenir la touche pour ramasser du pognon? Du pognon, tu le vois, t'en vas, tu le prends, c'est tout. Pareil pour les munitions, ils le font bien, alors pourquoi pas avec, pareil avec le pognon? Et encore, les munitions, c'est pas avec toutes, quoi. En fait, le chien était enfermé. Mais genre, le chien, il est là depuis je sais pas combien de temps. Il a bouffé des cadavres et puis il est encore en vie. Genre. Merde. Gentil chien. Gentil. Il saute, il est têteux. Ah non, en fait, il est pas gentil. Tiens, punch le chien. Putain, mais il lâche pas en plus, hein. Ah, il fait des yeux tout tristes. Limite, t'as de la peine de l'avoir abattu. Ah. Oh, maman canif. Pas bien capté le délire, mais bon. Yusuki. A mon avis, apparemment, il n'a rien à péter, Yusuki. Il tire toujours la langue, il est toujours content, il a le poil soyeux, la truffe humide. Non, justement, les chiens doivent pas avoir la truffe humide. Pourquoi quand je tue un rat, ça me donne pas des rations? Et genre les Japs, ils avaient des AK quoi. On peut changer de flingue. Là. Ah, on prend le pompe. Oh, c'est quoi ce symbole? Ça me dit quelque chose. Deux en un. On va essayer qu'elle récupérer leur peau parce que c'est pas que j'ai pas trop que ça à faire. Un serpent. Est au-dessus. Ah, apparemment, le sac à butin est plein. C'est pas grave.
J'ai eu. J'ai vu ce mec bouger. Il y a carrément un ours derrière la porte. Wow! J'ai envie de sortir. Ok, je sors. Ça veut pas. Tu fais quoi? Et c'est tout? Pas de référence à la con ou je sais pas. Enfin, le logo me disait vraiment quelque chose, mais. Ok. Ça valait vachement le coup. Une compétence, mais pour ça il faut déjà que je fasse un kit de plus bas. Bon, il n'y a que moi qui trouve cette mission avec les moisis. Ce qui est resté, ça va lancer que je casse. C'était donc lui! C'était un complot! Je le savais, Yusuke, tu m'as trahi. C'est l'enfoiré. Je sais pas trop quoi faire maintenant. Je suis pas spécialement motivé pour faire quoi que ce soit. Et t'es moisi. Ouais, d'accord, merci de confirmer. On va rater le live, tiens. On va arrêter le live là. Peut-être je reprends cet après-midi ou pas, je sais pas. Putain, saga butin, ouais, c'est pas faux.
Bah oui, je préviendrai comme d'habitude. Ah bah, je suis à fond de pognon. De chasse est de façon bonne. Pas motivé. MP5 noir, qu'est-ce qui change de la version de base? Voilà, épuisez bien. Allez, salut.